Bonjour, moi c'est Mika, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui vient de chez Bricozor. C'est un diable gerbeur, outil France. Alors on peut lever le plateau jusqu'à 75 cm de hauteur. Il est livré comme ça, avec les bras sur le côté et la manivelle vers l'intérieur. Et c'est intéressant parce qu'on peut le ranger comme ça, on gagne pas mal de place. Donc voilà le treuil, il est à l'arrière, suffit de tourner la manivelle pour lever le plateau. Le montage est relativement simple. Tous les écrous sont des écrous papillons, donc pas besoin d'outils. On peut tout dévisser, visser à la main. Donc là, je tourne la manivelle simplement dans l'autre sens pour pouvoir l'utiliser à son bon escient. Une fois la poignée en place, je m'occupe des bras. Donc sur le même principe, il suffit de dévisser les écrous papillons. Il y a une rondelle, de mettre ça dans la bonne position et de revisser. Tout simplement, il suffit de faire les deux bras comme ça et on est en place. C'est très rapide et c'est relativement résistant parce que le bras est coincé entre deux tubes carrés en acier, donc il n'y a pas trop de jeu, donc c'est relativement bien fait. Les roues en acier font 200 mm de diamètre, revêtues de caoutchouc. Donc je vais pas dire qu'on peut rouler en situation escarpée, mais s'il y a des décalages de sol ou quoi, ça pose pas problème, ça roule très bien. Donc là j'ai 4 pneus sur jante, donc ça pèse déjà son poids, mais ça monte vraiment très facilement, on n'a aucun problème à mouliner avec le treuil, donc ça va super bien, on peut réguler vraiment la hauteur très finement, donc c'est super pratique. On s'économise vraiment le dos, pas besoin de se pencher pour aller par terre. Quand il y a besoin, on réajuste. C'est vraiment très pratique et ça nous économise vraiment le dos, les bras. Et ça nous fait gagner du temps aussi. La descente est relativement stable, ça se fait très bien, chargé ou non. Ça pose aucun problème. Alors personnellement, je trouve que c'est un produit intéressant, très maniable. Le fait qu'on ait très peu de force pour lever le plateau, ben on s'économise vraiment le dos plutôt que prendre des charges lourdes au sol. C'est très stable, on n'a pas peur qu'il bascule en avant, c'est vraiment très stable et robuste. Le fait qu'on puisse ranger les bras, les mettre sur le côté, et la manette aussi, ben, voilà, quand on n'en a pas besoin, ça fait vraiment un bon gain de place. Et quand on l'utilise, ben on a beaucoup de force parce que quand on déploie les bras, ils sont relativement longs, donc on n'a pas besoin de trop pousser pour lever le diable. Voilà, je trouve ce produit vraiment très bien. À bientôt!